démarrer bien. Du ballon, sortir proprement de notre camp. Ça, c'est la base. L'utilisation du ballon, il est clair, les gars, que si on fait comme on a fait en première mi-temps, on ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas un bon timing. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a recherché un bloc de trois avant, un coup en haut, un coup en bas, un coup trop près, on ne peut pas travailler. Par contre, si on accélère le jeu, on va avoir cette capacité à faire la passe de plus. C'est là qu'on on ne franchit pas, on renverse. Attention les gars, en touche. Voilà, mais pas dans un premier temps. Dans un premier temps, on les laisse tranquilles. D'accord. Ligne forte, et après derrière, gros pressing. Et là, on met le contre-rec. D'accord. Allez. Regarde, juste une dernière chose. Le troisième rideau, il est par une troisième ligne et les deux lignes qui prennent de la profondeur. Ils vont faire des temps de jeu et après ils vont mettre du jeu au pied en diagonale. Donc il faut s'y attendre. Soyez-y. Il faut un avant qui décroche dans la ligne. Derrière le troisième rideau. Si on ne conteste pas, on n'en aura pas besoin de devant. D'accord. Donc il nous faut quatre joueurs sur le troisième rideau. Yeah.
Thank you.
Allez, gros rideau.